Alors, Nicolas Pelletier avec Pierre-Luc O'Brien. Obi, tu viens juste de me dire que t'es vieux. Tu t'es donné à 100% aujourd'hui. Oui, j'essaie de me donner à 100% pas mal à tous les matchs, mais ce soir, ça a récolté. Mais c'est trois buts aujourd'hui. Trois buts, mais écoute, sans mes compagnons de trio avec Alex puis Léveillé, ça va super bien. Mais je pense qu'overall, on a joué une grosse game d'équipe. On commence vraiment à s'en aller dans la bonne direction en tant que groupe. C'est moi où j'ai vu un Dominique Léveillé qui était carrément plus agressif aujourd'hui? Monsieur Léveillé, il y a un petit... Il y a une petite attitude aussi, tu sais, quand il faut que ça sorte, ça sort. Il s'est battu contre Cloutier aussi cette année, hein? Quand on a besoin du petit grit, l'éveillé n'est pas loin. OK. Obi, on est en train, si on peut employer l'expression, on est en train de piquer. On arrive à un sommet du côté des Prédateurs de Laval, juste à l'aube des séries. J'imagine que c'est encourageant pour les troupes. Très encourageant. Ça fait un bon bout qu'on travaille sur, comme tu dis, là, de piquer au bon moment. Il y a certains stretch dans l'année qu'il faut que tu piques. Il va y avoir des moments plus bas. Cette année, on a eu beaucoup de moments plus bas que de haut. Puis là, en ce moment, comme je dis, on est en train de tout comprendre notre rôle. On s'en va dans la même direction. Puis... en anglais, on dit « roll in the same boat ». En ce moment, c'est ça qu'on fait. Puis oui, je suis très content avec le coaching staff, l'addition de Pee-wee, là, M. Alain Côté. Ça a fait du bien. Éric est capable de gérer beaucoup plus de choses. Et puis, donc, je pense qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. C'est le fun. Puis c'est vraiment le fun d'être à l'arène en ce moment. Merci, Obi. Belle merci, performance. Merci. Hey, give him a kiss. Come on, no, he's, no, no he's sweating. No kiss. I'm Mario Molino, Mario, comment tu as trouvé le match ce soir? J'ai adoré la game. Adam, comme d'habitude, de goal une bonne game. Je vais être poli, là. Mais l'équipe, là, c'est quatre games de suite, là, qu'on joue super très bien, puis je suis confiant avec eux autres qu'on va aller loin cette année. Que ce soit Jonquière, Sorel, n'importe qui, on a une bonne équipe ici à Laval. Ça vient d'un fan. Let's go, faut le croire. Thanks, Adam. All right, buddy? Thanks, buddy. Thanks. Alors, je suis avec Louis-Philippe Lacroix. LP, retour dans formation. C'est le fun de se retrouver à Laval. Ah, mais hein, il était temps. Je commençais à avoir les fourmis dans les jambes. Mais ça a bien été, honnêtement, l'équipe, puis moi personnellement aussi. Puis ça fait du bien à ma confiance parce que le dernier mois était tough. Tu sais, la blessure que j'ai eue... Ça m'a comme mis à terre un peu, mais là, je suis revenu fort. Les gars, t'es allé aussi dans une bonne game, puis dans ce temps-là, c'est toujours plus plaisant. Comment tu fais pour revenir en force comme ça après une si longue absence? Passer d'un gym, si, ça serait quand même, je vais pas en force. Non, mais le pire. T'es en train de te faire une pub, là? Non, mais le pire, c'est que non, je pouvais pas trop bouger, là, ma blessure m'empêchait. Mais écoute, quand l'équipe joue bien aussi, ça t'aide un peu à te mettre dedans plus vite, puis on dirait que j'ai juste gardé les jeux simples pour commencer, puis après ça, ça a bien été, il faut croire. Merci, Louis-Philippe. Merci à toi. Coach Haley, belle victoire, 6-1. Fiala était protégé, j'imagine. C'était le match le plus important de l'histoire des Prédateurs de Laval, là, de la jeune histoire. Aujourd'hui, là, non seulement on a bien parti la rencontre, mais on l'a bien fini aussi. Je suis excessivement content, autant offensivement. Mes trois lignes ont bien fonctionné ensemble. Puis, défensivement aussi, là, on a accordé beaucoup moins de chances de marquer. Donc, Rousseau, quand il voit la game comme ça, c'est sûr et certain que ça devient le meilleur gardien de la Ligue, à mon avis. Ce soir, tu as deux joueurs qui ont connu une excellente soirée. On a Pierre-Luc O'Brien qui a trois buts. Puis ensuite de ça, tu as un défenseur qui fait un retour dans l'alignement. Louis-Philippe Lacroix qui a disputé une excellente rencontre aussi. Oui, pour ce qui est de Pierre-Luc, c'est un attaquant que j'utilise beaucoup, que ce soit à tous les niveaux, contre la première ligne adverse, en avantage numérique, en désavantage numérique, des rôles défensifs. C'est un joueur qui est à 35 ans, qui se tient en forme, puis qui passe beaucoup de temps sur la glace. Donc, puis quand je vois là, que ses efforts sont récompensés, mais je suis bien content. Mais sa ligne au complet, là, il se voyait bien. Que ce soit Imbo, que ce soit Léveillé, O'Brien. Donc, c'est une ligne que j'ai bien appréciée. Je te parlais d'Obi, puis je te parlais aussi de Louis-Philippe Lacroix, ouais. Défensive, ça a paru. Oui, Louis-Philippe, il revient là, d'un long séjour là, qui était hors glace. Puis
Sa réhabilitation a bien été. C'était son premier match. J'ai été très surpris là, de sa vitesse, sa lecture de jeu. Il a joué physiquement aussi. Il a contribué offensivement. Donc, très bon match pour le Hacker. La performance des Prédateurs de Laval est de bon augure pour le début des séries éliminatoires qui se pointent à l'horizon. On sait qu'on n'a pas une place assurée encore, mais c'est quand même le fun de voir son équipe qui arrive à son maximum en fin de saison. Bien, là, on est à 5 points là, en avant de Trois-Rivières. Il reste 4 matchs à jouer, mais on est à 2 points de Rivière-du-Loup. Qui lui reste aussi 4 matchs à jouer. Puis on en a une contre Rivière-du-Loup, une contre Trois-Rivières. Donc la fin de saison est excitante. Il va falloir être prêt. Il va falloir jouer comme en série, comme qu'on a fait aujourd'hui. Puis je vous dis là que c'est de bon augure. Puis les gars sont en mode série. En mode série, de bon augure, on joue comme ça. Bien, on peut juste lancer l'invitation à nos amateurs qu'ils soient présents au Colisée bien, jusqu'à la fin de la saison. Effectivement, aujourd'hui, là, on avait 700-800 personnes, mais je peux vous dire que les 700-800 qui étaient ici étaient bruyants, nous ont encouragés. Puis je les remercie, puis j'invite là, tous les gens de la ville là, à venir nous encourager. C'est du bon hockey. On joue vendredi prochain. Exactement. Fait que le message est lancé. Merci, Rick. Merci.